Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Spyro 2. Où, je ne sais plus si je vous avais montré ce bonhomme. Spyro, peux-tu m'aider à remettre les vaches dans l'enclos? Mais bien sûr. Donc remettre 5 vaches dans l'enclos. Ah, des vaches, ça n'est plus des vaches, c'est des vaches. Parce que je ne sais absolument plus, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, je vous l'avoue. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué puisque j'avais un espèce de bug, donc voilà. Donc voici... Bonjour, alors ça c'est ce qu'ils appellent je pense un vachou. Est-ce que tu t'appelles un vachou, Lee? Réponds un peu, allez. Bon, écoutez, on va les dégommer tranquillement. Hop. Bingo, hey, ceci est donc un vachou. Ceci est donc un vachou. Donc je dois en mettre 5, ce qui n'est absolument pas gagné. Vas-y, avance. Oh là. Mais les bruits que ça fait ce truc, c'est horrible. On dirait des... C'est même plus des vaches à ce niveau-là, c'est des... C'est même plus des vaches. Ça n'est même plus des vaches. Hey, bonjour, un troisième vachou. Vache à lait, une vache à lait, une vache lait. Allez, une vache. Oh la vache. Allez. Allez, voilà, yeah. Hop, elle va rester dans son petit coin, tout mignon, tout gentil. Allez, vas-y, réavance. Donc là, c'est un truc un peu long. Mais bon, c'est pas la boboule la plus difficile à récupérer dans ce niveau, je vous le dis. Hein. Je sais très bien ce que je veux dire, déjà de une, mais de deux, je sais très bien laquelle sera très compliquée à avoir. Et alors, pas qu'un peu du tout. Mais alors pas qu'un peu du tout, ouais, c'est justement là. Donc je ne vais pas y accéder tout de suite, parce que sinon je suis absolument foutu. Bonjour, bonjour. C'est pas vraiment par là que j'avais envie d'aller. Ah oui, hey, lui là-bas il m'a donné son talisman magique, son talisman sacré. Donc hop, on grimpouille ici et on va dire bonjour aux amis les... Hop, attendez, boum, voilà. Donc, vous voyez qu'on a récupéré là. Ah non. Allez, bah tiens, je me suis fait dégommer. Je me fais encore avoir. Ah bah non, même... Eh, hey, bah je suis même pas touché, décidément, ça c'est sympa ça. C'est sympa de pas pouvoir se faire toucher. Eh, hey, boum, mange donc ça. Hey. Elle est pas belle la vie quand même, waouh, se faire... Se faire plaisir comme ça, allez boum, vas-y. Waouh. Multi-récidiviste, multi-explosion. Alors elles se font dégommer les vaches. Les vaches fous se font dégommer comme des malpropres. Attention, voilà. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Ah non, on va. Vas-y, mange donc ça. Boum, voilà, boum, boum, boum. Allez, on les dégobe ces vaches. C'est vache fou, j'allais dire, c'est vache allée, bon sang. Ça va rester. Ça va rester ce truc-là. Allez, donc là, hop, bingo. Apparemment, non, je pensais qu'il y avait encore plus haut, bah oui. Il y a encore plus haut, mais... Salut les vaches fous. Boom. Donc là, hop, en fait, c'est ici qu'il y a un... Ah, génial, yopi. Hey, les fameux pots de vin. Les fameux pots de vin. De Spyro, hein, forcément, ouais. Bon, ils sont gentils avec moi, ils m'aident vraiment, donc on y va. Ah putain, c'est pas vrai. Je me suis fait avoir sur ce coup-là, vraiment, je suis dépité. Dépité. Enfin, j'allais dire, c'est relativement facile. Quand même, oui. Mais voilà, il y a vraiment plus dur. Et faut encore savoir y arriver, bien sûr. Est-ce qu'elles sont toutes les deux tombées? Apparemment, oui. Ah bah en plus elles vont tranquillement. Mince. C'est pas vraiment la chenille que je voulais dégommer. Hey, le 4. Je crois qu'il va y avoir une deuxième fournée en plus de vachou à récupérer. Hey, le 5. Merci de Spyro. Et voici un petit quelque chose pour Bebop, récompenser tes efforts. Ah non, c'est Bopip. Bebop, Bopip. Merci pour ta boule, ça me fait ding. Oh, 29 boules, oui. Je pensais pas que j'étais déjà arrivé à ce point-là, mais franchement, waouh, 29 boules. C'est énorme. Il reste encore 2 vachous perdus dans la nature, mais je ne les ai pas vus depuis des jours. Donc il y a encore 2 autres vachous à récupérer.
Inutile de vous dire où est-ce qu'elles sont, elles sont dans la zone que je n'ai absolument pas parcourue pour le moment, c'est cette zone-ci. Bonjour mon vieux. Quelle est la lumière, soldat Roméo, de cette verrière? C'est de la fenêtre là-haut, idiot. Le professeur devait m'aider à retrouver Juliette, mais je ne l'ai pas vue depuis belle lurette. Oh, que c'est joli. Bon, que c'est joli tout ton... Roméo veut retrouver sa Juliette. Un bel oiseau, hein, sa Juliette, ouais. Un beau zozio. Donc, on va aller lui... Bonjour. Tiens, mange donc ça. Donc, vous voyez que là, il y a des espèces de... Là, ici, il y a des espèces de racines. Vous allez rapidement savoir à quoi ça va servir. Qui dit racine dit forcément plante. Vous en voyez, il y en a un peu partout. Alors que là, j'ai une des deux vachoux qui est ici. Ouais. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Voilà. Où est-ce qu'elle est, la vachouille? Elle est là. Donc, salut la grosse. Salut Geneviève, je t'en prie, vas-y, hop, voilà. En plus, elle est multitâche. Hein. La vachou est multitâche. Dans tous les sens du terme. Vas-y, avance un peu, voilà, avance un peu par là, boum. Et... Allez! Comment se faire dégommer un gros boulet, vraiment. Putain, si tu pouvais bouger, ça m'arrangerait, vas-y. Mmh, allez, dépêche-toi. Voilà, enfin. Oula, ouais, c'est très chaud hein, à faire, je vous dis pas. C'est encore les 5 qui étaient vraiment faciles, mais autant là, c'est un peu le parcours du combattant. Mais alors là, ça va être encore plus le parcours du combattant. Avance un peu par là, boum. Et... Hey! Non, non! Putain, l'enfoiré! Ah, l'enfoiré! Alors déjà, j'avais mal à la gorge, je suis en train de me ruiner la voix, c'est horrible. Quitte à la ruiner, autant la ruiner en vous faisant plaisir, quoi, mais quand même... Voilà, quoi, c'est... c'est frustrant de le voir s'écraser comme une grosse merde, juste à l'arrivée. Juste près du sol. Hop. Boum! Ouais! Hourra! Enfin, il est temps. Il est temps. Donc là, je pense qu'il y a encore... Oh, des joyaux! Des joyaux, des superbes joyaux. Hey, il y a des joyaux partout, vous avez vu, on a récupéré pas mal de joyaux, hein, après que... J'allais dire Gripsou. Non, c'est Grossou. Le fameux Grossou qui m'avait passablement ruiné ma petite fortune que j'avais récupérée. Donc forcément, voilà. Hey, si vous voulez tenter d'aller là-bas, je vous conseille pas, puisque vous voyez que ça ne marche pas. Donc, où est donc cette vachouille? Elle est là-bas, la vachouille, avec en plus le professeur. Bon, ce n'est pas Alain Prost, c'est le professeur, je ne sais plus quel nom on lui a donné d'ailleurs. C'est vous dire si ça a marqué, mais je crois qu'il s'appelle juste le professeur. Ce qui, vous me direz, est pas plus mal à retenir. Hein. Le professeur d'ailleurs, qu'on n'a pas réussi à trouver de petits noms, comme Spirou l'avait fait pour Chasseur en le traitant de petit Minou. En le traitant de Minou, donc vas-y, je t'en prie, le Minou qui... Eh ben oui, bien, oui, bien sûr. Il est là-bas et il est maintenant ici, d'accord. Pourquoi pas, après tout. Boum. Et... Ouais, yes. Bon, ça va. C'est réussi, c'est déjà pas plus mal. Je suis quand même content que ça... Je pensais que c'était vraiment plus compliqué, mais c'est vraiment pas la bobole qui est vraiment la plus difficile à récupérer. Loin, loin de là, hein, je vous jure. C'est une partie de plaisir, hein, côté, franchement, ouais. Là, il y a vraiment juste à les... Ah. À les emmener. Voilà, et en plus, cette caméra qui me fait vraiment défaut, c'est horrible. Ah, ben voilà qui est donc fait. Si tu pouvais avancer par là-bas, ça m'arrangerait. Allez, ma grosse. Et allez, la grosse Bertha, on y va. Allez. Voilà. Quand même. Décidément. Wouhou. Les deux. Hey, les deux. Je sais pas comment je vais me faire d'épisode à la fois, parce que là, il est 2h. Il est 2h et 11 minutes de l'après-midi, je vous rassure. Non, je vais quand même pas faire des épisodes à 2h du matin, faut pas rêver non plus.
Il y a des gens qui dorment à cette heure-ci, oui, oui. Je ne sais pas combien je vais faire d'épisodes, peut-être deux, je ne sais pas. Après tout, vous vous en foutez, puisque de toute façon, je publie tous les 4 jours, ou à peu près. Oui, je sais, ça m'arrive de pas vraiment respecter les dates, je suis vraiment désolé, c'est pas vraiment ma faute. Il y a des moments aussi, quoi. Tu as réussi à récupérer les 7 machous. De rien. C'est un vrai plaisir de t'aider, mon gros. Voici ta récompense. Mais quelle surprise, c'est une boule. Et c'est la 30e. Hey, j'en suis à 10 minutes de vidéo, en plus j'ai largement le temps d'aller dire bonjour. On y va. Allez. Donc lui, oui, le problème c'est que je ne sais absolument pas comment faire du tout. Je ne sais absolument pas comment faire du tout. Ah, allez, l'ami professeur qu'on retrouve juste ici. Spiro, mon garçon, j'ai une graine magique pour toi, ici, quelque part. Oh, la voilà. Et si tu la plantais pour voir ce qui en poussera. Une jolie plante, une jolie graine à pousser. Pour à faciliter faire pousser. La visée avec la graine, tu n'as qu'à maintenir la touche triangle en fond. Donc il me donne sa jolie graine. Une jolie graine orange, une graine d'orange. On va faire pousser des fruits, nous voici maintenant dans Harvest Moon. Hop, hey, voilà. Est-ce qu'il nous en donne une? Même pas. Pourquoi pas? Hey, pourquoi pas vraiment? Là vous voyez que j'ai fait pousser ici hein. Et il suffit juste de souffler pour que ça s'élimine et qu'on récupère notre noyau, notre graine. Si c'est pas pratique ça. Ouais. Yes. Ça c'est quand même hyper pratique. Yes. Et là vous voyez hein, ça va être aussi simple que dire bonjour. Il suffit juste à viser là et à tirer ici. Bon ça, parce que là c'est encore facile, je me souviens à peu près comment il faut faire. Mais c'est vraiment appris que c'est hyper compliqué. Ouais. Hop. Allez. Non, là il va pas vouloir. Le problème c'est que si je me rate, je perds totalement le truc, ou à peu près. Allez, donc là, doudoudoudouding, bonjour. Hey. Vous voyez les grandes plantes qui poussent, hein, c'est absolument incroyable. Bonjour, attention à ne pas se faire TNTiser. TNT. Hey, 20... Ah, oh, une graine. Oh, une gentille, belle petite graine. Une graine de tournesol. Hey, yeah, c'est automatique, évidemment, bien sûr. Manquerait plus que ce soit manuel, hein, vraiment, c'est... Manquerait plus que ça, c'est déjà assez compliqué à trouver comme ça. Vous me direz, ouais, c'est assez compliqué, pourtant tu y arrives du premier coup. Je vous assure que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment galéré. Hein. Je vous promets, c'était vraiment compliqué. Hey, salut. Bravo mon garçon. Professeur. Ces deux graines te permettront de parcourir le reste. Et du même pas, il me donne une boule. Hein. Et prends ceci. Ah. Si ça ne te dérange pas, ça ne fait qu'encombrer mes poches. Ouf. Il me donne une boule, bah, c'est gentil vraiment. 30 et une boule, et bah, ça va me faire 32 si j'arrive à faire ces graines. Donc là, ouais. Hey. Oh mais quel boulet. Ah oui. Quel gros boulet. Yep. Puisque je n'ai simplement qu'à aller par là, voilà, puisque la graine est déjà ici. Ah putain, j'arrive à me faire mais totalement. Comment je peux faire ce genre d'erreur? Je comprends même pas. Alors. Hop. Hey. Hop. Comme ça, il y en a une ici et il y en a une là-bas, voilà. Bonjour les filles, par ici les joyaux, par ici les monnaies. Et hey, voilà comment on fait pousser les petites graines. Petite graine deviendra grande graine. Grande graine et non pas grande graine. Et la petite graine qui devient donc forcément une belle plante, une petite pousse d'abord avant d'être une très belle, jolie plante. Et voici Juliette. Quelle contrée te trouves-tu, Roméo? Avec une voix un peu masculine. Oh, voilà mon Roméo. Je te laisse ceci. Je n'en ai plus besoin. Oui, c'est une voix d'homme. Juliette. Monsieur Juliette. Hey.
4 sur 4, hein, je suis vraiment surpris d'avoir réussi le premier coup, franchement, je suis vraiment étonné et comprends. Eh, donc j'ai 4 boules, j'ai presque tous les joyaux. J'ai bien presque, hein. Bon, ils recoulent tous les deux, le parfait amour, c'est mignon. C'est mignon. Avec les petits cuicuis en plus, juste pour faire joli. Si c'est pas beau, ça. Et, attendez, il me semblait qu'il y avait quelque chose par là. Ah, voilà, ouais, c'est là. Yes! Ah, ouais. Non. Je crois pas que c'est là qu'il faut la mettre, en fait. Je vais pas la mettre là, apparemment elle sert à rien du tout, mais à tous les coups, ça doit être... Ouf, ah oui, non, quand même, wow. En fait, il me manque plein de joyaux. Je sais absolument pas où est-ce qu'ils sont. Je sais absolument pas où est-ce qu'ils sont. Attendez. Bon. Et si on recommençait depuis le début, hein? Ça vous tente? Non, et ben vous n'avez pas le choix. Je vais refaire ce niveau. Ah oui, je me souviens du pourquoi, comment, qu'est-ce. Je me souviens du comment, pourquoi, qu'est-ce. C'était très simple, mais là je vais juste vérifier pour voir si je n'ai oublié rien du tout. Normalement non, mais on ne sait jamais après tout, hein. Hey. Ah non, c'était une histoire de... Wouah, d'explosion. Ici, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Non, j'avais fini, donc là on les laisse recouler tranquillement, on les laisse cuiter bien comme il faut. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Ah oui, il y avait déjà aussi ça aussi. Yes. J'avais tout... Ah bah oui, carrément, j'avais zappé totalement de joyaux comme ça. Je suis assez surpris. Oh, un message. Une bonne... Ah non, je pensais que ça allait être une bonne vie, mais non, même pas. Ah bah, mais dis donc, mais comment que ça se fait? Est-ce que j'ai oublié autant de joyaux? Je comprends pas. Je comprends pas, je sais pas, il y a dû avoir un bug dans la sauvegarde. Je ne sais pas, je ne sais absolument pas vous dire comment que ça se fasse. Ouais, donc là ça, j'ai quand même récupéré pas mal de joyaux, bonjour l'ami. Bon, ah bah on s'est explosé littéralement, tous les deux. On s'est fait un dommage collatéral. Collatéral. Ouais. Oh non, à tous les coups ça va pas faire le... Ça va, il va pas y avoir le compte. Ah, il y a le compte. Il y a le compte. Hi-ha. Hi-ha, je suis content, j'ai récupéré. C'est le 100% dans ce niveau, franchement je suis vraiment agréablement, alors plus qu'agréablement surpris d'avoir récupéré tous les joyaux, toutes les boules. Puisque c'était vraiment ça le gros enjeu pour moi de ce niveau. Donc on a fini ce niveau, on va pouvoir y aller tranquillement. Bien tranquillement. Tout en se dépêchant évidemment. Tout en se maniant, en se bougeant le popotin. Hop. Tout dura. J'ai même le temps d'aller dans le prochain niveau et de vous laisser là-bas. Donc bye bye, en gros, on va se quitter sur... Enfin, on va quitter le niveau sur une vidéo. Un pigeon grillé ou un poulet rôti, c'est comme vous voulez. Et il s'est fait dégommer, le pauvre pigeon, là. Il s'est fait avoir retour dans les plaines automnales. Alors, regardons déjà dans le carnet. Je me souviens plus de ce que j'avais vraiment fait. 100, 100, 100, 100. Ah, entre Zephyr et les glaces de cristal, il y avait un niveau. Ah oui, mon dieu. Ah non. Ah non. Je suis absolument pas pour faire ce niveau. Je ne suis absolument pas pour faire ce niveau, puisque c'est porte de brise. Et bon, puisqu'il faut après tout, il y a une boule qui est vraiment très compliquée à prendre et qui va beaucoup me donner, qui va me donner beaucoup de fil à retordre, autant vous prévenir tout de suite. Quel gros boulet. Quel gros boulet.
Et écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour ce superbe niveau apparemment haut en couleur, en feu et compagnie, en bateau. Donc je vous souhaite, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis bye bye.